Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque je viens de recevoir ma box que j'adore. Et vous savez que c'est une box que j'adore. Vraiment, c'est une des meilleures box qu'on m'a été donnée de tester. Donc je remercie déjà le site d'avoir ce partenariat avec moi parce que vraiment, je suis contente de pouvoir vous montrer tous les 2 mois en fait. Cette box que je kiffe énormément et j'adore vous la présenter. Donc on va commencer, vous savez que la box que j'adore en fait, c'est un esprit parisien dans une box regroupée avec des tendances fabriquées en France, etc. etc. Donc ça, je vous fais plus la présentation du concept, puisque si vous me suivez, vous connaissez déjà le truc. Donc on va commencer, j'ai pu tester ou quasi tout testé de la box, donc je peux vous en parler. Premièrement, c'est la crème pour les mains de la marque Institut Carité. Donc en gros, elle est à l'amande et au miel. Elle sent divinement bon, je l'ai testé ce matin sur mes mains. Franchement, elle pénètre rapidement, elle laisse un film agréable sur les mains, assez épais on va dire, pour les protéger en fait, pour protéger la peau. Donc je suis vraiment très contente. 6,80€ les 30 ml sur institutcaritéparis.com. Donc un soin enrichi à 20% en beurre de karité, fondante non collante, douceur et confort. Et ça, c'est vrai. Je suis vraiment très contente de l'avoir testée parce que vraiment, elle est plutôt vraiment très bien. Bon après, la compo, il y a du phénoxyéthanol quand même dedans. Donc bon. Après, ça faut le savoir. Mais vu que je vous le dis tout le temps. Ensuite, on passe à des sels de bain. Et là, c'est la compagnie huiledebain.fr qui a proposé ce produit. C'était celle qui avait proposé l'huile de bain aussi au melon que j'ai pas... Non, pour moi, ça allait pas. Mais alors, celle-là, elle sent... Alors là, il y a vanille, mais moi, j'ai reçu monoï. Et alors, monoï. Oh, ça sent trop bon les vacances quoi. Franchement, celle-là je vous la conseille. Après, bien entendu, je vais le tester voilà, plus en profondeur et je vous en redirai des nouvelles. Mais le pot de 500 grammes à 9,90€ sur huiledebain.fr. Et honnêtement, j'ai adoré l'odeur. Donc je pense que je vais prendre un malin plaisir à prendre des bains avec ce truc là. Honnêtement, hein, parce que vous savez que moi le monoï, la fleur de tiare et tout ça, c'est des odeurs que j'adore vraiment. Ensuite, un petit bijou que je porte déjà hein, depuis ce matin, depuis ce matin. Eh bien, c'est ce petit bracelet tout fin que j'aime beaucoup, qui est argent et perles de cristal. Il existe en noir et en rouge. Donc, heureusement que je l'ai eu en noir parce que moi, le rouge, non, pas trop. À part ce magnifique rouge à lèvres de chez Kat Von D. Voilà, je vais vous redonner la teinte. Qui est le Exorcisme et qui va sortir le 18 pour Sephora Champs-Élysées et le 28 pour Sephora France. Voilà, il est magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à installer iGraal hein, pour vos achats Sephora. Parce que je sais que quand on récupère un petit peu d'argent sur ce qu'on dépense, surtout chez Sephora où ça coûte cher, eh ben c'est toujours bon à prendre. Donc on reparle du bracelet. Valeur du produit en argent 925e et perles de cristal fait main à Paris. Garantie 3 ans SAV gratuit sur oscarbijoux.fr, valeur 20€. Donc après, je vais être franche avec vous, 20€ pour ça, ça me fait mal, voyez, parce que pour 25€, on a vraiment des bijoux avec une plus forte teneur en argent et des strass, chez un bijoutier type Cora, Leclerc, etc., qui fait du 925e aussi. Donc là, alors, il est très élégant, je l'aime beaucoup, hein. Attention, hein, j'ai pas dit le contraire. Je l'aime beaucoup, il est très très joli. En plus, il est, c'est 2 nœuds sur les côtés qui s'étirent, donc du coup, peu importe votre taille de poignet, ça vous ira. Il est très très joli, mais un brin cher pour moi, je vous l'avoue. Je vais boire un petit coup dans la jolie tasse Stokomani que m'a fait découvrir Soleil 715 Makeup. Anne-Claire, je t'embrasse. Un petit carnet que j'adore. Donc, la valeur du produit, c'est 9€ sur giftfits.fr. Donc, il est très joli. C'est marqué « C'est la bonne heure pour le bonheur ». J'espère, parce que je viens de casser un miroir, donc j'espère pas avoir 7 ans de malheur. Donc là, c'est un carnet avec des lignes hein, en fait, et ça j'adore parce que en fait j'en ai partout tout le temps, je note tout et tout le temps.
Donc ça, c'est pile poil un cadeau génial à avoir dans le sac à main. Je continue avec le livre des 100 recettes aux éditions Artemis. Et en fait, c'est les 100 recettes apéro dînatoire. Et ça, c'est super parce que je suis allée chez des personnes qui ont fait un repas dînatoire, apéro dînatoire. Et comment vous dire que ce truc-là, c'est une dinguerie. Alors, il existe poulet et autres volailles, cheesecake, mugcake et cupcake, cocktail et smoothie, apéro dînatoire, mais il y en a plein d'autres, confiture et compote, dessert de notre enfance, pizza, quiche et tarte salée, plancha et barbecue, salade gourmande, soupe et potage, tarte aux fruits de 4 saisons. Mais moi, ça m'arrange parce qu'il y a vraiment plein d'idées recettes à l'intérieur, mais qu'en plus, on peut faire rapidement. Cake au foie graffit, cake Saint-Nectaire noisette, cake aux légumes et jambon, des cupcakes, frites à la mode cajun, des empanadas, des rouleaux de printemps, des muffins, des quiches, des sucettes, du taboulé, de la tarte fine, velouté, tatin, velouté de courgettes. Enfin, vraiment, il y a plein d'idées pour les petites verrines, en fait. Donc ça, c'est franchement, ils sont bien tombés. Vraiment. Et en fait, ce que j'adore dans cette box, c'est qu'ils tombent vraiment bien à chaque fois. Donc j'ai beaucoup de chance, ou alors je correspond parfaitement à la cible de la box, en fait. Et je pense correspondre parfaitement à la cible de la box. Parce que jusqu'à présent, c'est la seule box pour laquelle je n'ai jamais, jamais, jamais été déçue. Donc la valeur du produit, 2,95 aux éditions Artemis. J'ai envie de dire, pour ce prix-là, ça va encore. 2,95, c'est pas excessif. Hein. Ensuite, on passe à un thé de la marque L'Autre Thé, donc disponible sur l'autreté.com. Valeur du produit 1,20€. Donc origine Chine, temps d'infusion 4 à 8 minutes. Température 90 degrés, 3 grammes pour 30 centilitres. Donc la teneur en théine est moyenne à forte. Et si vous voulez, donc c'est des produits bio. Et la dernière fois, vous m'aviez fait remarquer que vous trouviez ça cher pour le peu qu'il y a dedans. Il y a combien dedans? Par contre, les gars, là, il n'y a même pas la teneur sur le paquet. Je ne sais même pas combien il y a de grammes à l'intérieur. Donc, c'est le thé secret d'hiver. Mélange thym, sauge, fenouil, ortie, romarin et menthe douce pour stimuler le corps et l'aider à se défendre. Sachez que la même chose est vendue pour l'allaitement. Moi, bon, après, j'allaite pas. Mais ça m'a fait penser au mélange que je buvais pendant l'allaitement. C'est d'ailleurs le mélange que j'ai dans la fabuleuse tasse de Stokomanie que m'a fait découvrir Anne-Claire. Je te remercie, ma belle. Donc, c'est un mélange que j'aime quand même, mais qui ne peut pas plaire à tout le monde, puisque moi, j'ai eu l'habitude, voilà, les infusions pour l'allaitement, de les boire et je m'y suis fait. Mais c'est vrai que le thym, c'est quand même particulier dans une infusion ou dans un thé. Du coup, vous pourrez peut-être pas apprécier le produit en tant que tel à cause de ça. Mais pour moi, c'est vraiment, ça fait partie. Vous voyez, je suis en pyjama. Ça fait vraiment partie d'une routine cocooning. J'avais juste envie de me maquiller, de vous faire un maquillage avec la nouvelle palette de Kat Von D qui est démente, voilà. Mais vraiment, j'avais envie de cocooning, de thé, de pas bouger, de juste filmer entre nous, entre copines, voilà. Enfin, j'avais envie de ça aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, allons-y, branchons tout le matériel et c'est parti. Et pour terminer, alors aujourd'hui, les feuilles pratiques du guide, c'est comment être organisé, les conseils simples à mettre en pratique chaque jour pour une vie ordonnée, et un DIY, une étagère à vernis. Oh ouais, mais moi j'ai deux mains gauches, alors ça a l'air canon. Je sais pas si vous la verrez là, l'étagère. Ça donne ça. Ça a l'air vachement bien. Mais moi, je suis nulle en bricot et puis c'est pour ça que j'ai pris un homme en fait, tout simplement. Puis en plus j'ai eu un fils, donc j'espère bien qu'il bricolera pour maman. Et ensuite, vous avez donc, pour terminer, vu que c'était janvier-février, vous avez un petit calendrier des dates à retenir. Donc le Mardi Gras, le Carnaval de Venise et le Carnaval de Rio. Et une recette ici de mousse au chocolat et gâteau aux crêpes et à la mousse de chocolat. Donc en fait, vous pouvez soit picorer la recette des crêpes ou soit picorer la recette de la mousse au chocolat. Donc ça, je trouve ça génial. Et faire un gâteau qui mixe les deux, donc
Je trouve ça super. Alors moi, je le ferai juste pas à Hugo et je vous le dis clairement. Parce que il a des problèmes de transit en ce moment, donc le chocolat je lui interdis, je ne lui en donne plus depuis 2 semaines. Donc voilà, donc je ne pourrai pas le tester. Peut-être ultérieurement, peut-être. Donc vous savez très bien que vous pouvez avec mon code promo avoir une réduction sur votre box. Donc je vous le mets ici, 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 ici. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est Ludivine 10%. Pour avoir 10% sur votre box. Et pour découvrir les précédentes box que j'ai pu vous montrer, il y a aussi 20% sur les précédentes en fait, dans la limite des stocks disponibles avec le code promo QGD291116. Voilà, je vous remets tout ça bien entendu en barre d'infos. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour cette box. Moi, c'est une box que j'aime beaucoup, je vous la recommande, j'ai jamais été déçue. Il y en a d'autres aussi comme Valérie de la chaîne Val Beauty & Co qui n'a pas été déçue. Enfin, toujours quand elle en parle aussi en positif. Donc, je suis pas la seule. Je l'embrasse si elle fait un petit passage sur cette vidéo. Bon, on a fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes toujours abonné parce que YouTube vous désabonne gratuitement. Donc ça, c'est pas cool. Plus la petite cloche là qu'il faut toujours maintenir cochée pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos. N'oubliez pas non plus mon pouce en l'air. Ça me ferait plaisir. Surtout et à toutes vos petites YouTubeuses pour pas qu'on tombe dans l'oubli de YouTube, de celles qui n'ont pas assez de vues, qui ne sont pas aimées, qui sont... Voilà, les rebuts de poubelle de YouTube, en gros, quoi. Et puis, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, on a oublié le mot du jour aujourd'hui. Alors, ce sera apéro, puisqu'on a eu un cahier d'apéro dînatoire dans cette jolie box. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime, mes chéris. Ciao !